nous avons tête ravine Accra, qui est une des trois gros ravines qui surplombent Sandagarele, grosse zone métropolitaine. Nous avons parlé de Pétionville, nous avons parlé de Canapé Vert, de Tujo, de Sand. Ravine ça, qui a pile année, yo pas curé, yo représenté en pile danger de santé publique et en pile danger environnemental. Si nous prenons ravine ça, qui gagne 12 ans pas de curé du tout, n'a qu'à dire une quantité de sédiments qu'il a, n'a besoin plusieurs semaines, plusieurs mois de travail pour nous retirer quantité matériaux qui entassés en dans ravine Akrasa n'a gardé des dômes. Travail ça, il y a un gros enjeu, il y a une grosse importance pour nous, comme je dis, sous plan environnemental, la permettre ministère environnement protéger population qui dans zone d'abord et protéger reste population pays qui plus bas dans zone d'Agadi qui en bas vente ravine ça n'a pas parlé là. Comment la protéger? Pendant tout le temps, matériaux sa yo a entassé là. Yo gagne toute qualité de bruit là-dedans. Yo gagne sa nourrir en français excréta, pour m'ba dire en créole, pour poumoun. Yo gagne là-dedans tout vieux déchets, m'ta ka di domestique, vieux valise, vieux plastique. Tout ça qu'on est moun yo pas besoin, c'est dans occasion la pluie yo la gueule et yo vient entasser dans ravine là. Plus quantité sédiments que l'eau brûlée à cause de problèmes d'érosion ou bien problèmes de reboisement qui n'est pas bien fait ou bien qui n'est pas à soi dans tête ravine. Pendant qu'on a parlé de ravine ça, qui est sous l'hôpital, il faut profiter de nous. Le monde ça nous est dans l'hôpital là, il est dans le prolongement en pire au monde que nous est dans la selle, qui est massif la selle. Qui sorti depuis la tête des commissaires en bas de forêt des pins, qui a traversé, descendu, traversé Keskov, il est arrivé là. Là, il arrive bon ici à nous, il est le monde de l'hôpital. Mais c'est encore le monde là, celle-là, parce que c'est un continuum. Donc, tout travail qu'on a fait là pour faire curage là, il est capable de moins en énergie, il est capable de moins en dépenses si Anticrasse Piro nous t'a. Il y a une possibilité de faire des travaux pour nous non seulement planter, mais faire travail conservation sol, travail protéger l'environnement depuis en amont pour arriver là. On a toujours gagné pour nous faire travail curage. Parce que nous ravine chaque saison la pluie, les charrier quantité de sédiments viennent mettre là. Par conséquent, nous pas qu'à mettre en tête, nous n'avons seule intervention, n'a pas retiré. Matériaux, mais tout sédiment qui est dans la ravine ça, mais premier travail ça après elle permet déjà nous mettre bassin sédimentation en situation pour le quimber sédiment, donc pour le quitter de l'eau à aller. Et c'est ça qui wall bassin sédimentation lors construit nos ravines. À côté bassin nous gagnons aussi des murs de soutènement qui permettent de protéger le bassin pour ne pas craser, parce que l'œil fin plein ne vient pas d'un côté pour de l'eau courir encore. Donc ça n'a pas fait là, le ministère de l'Environnement entend contribuer à améliorer les conditions de santé mounio, parce que en dans ravine ça, quantité de matériaux nouvelles là, les gagnent la dani des bactéries qui sont très dangereuses pour la santé moun. Et le yo entreposé yo fait en pile temps yo produit yo reproduit donc yo en quantité et le nous en saison sec les vent vanter ces problèmes. Donc si nous ouais depuis quelques années l'aide l'eau a vini pas vraiment gain cas de mortalité qu'on était content de longtemps, c'est parce que depuis dans période 2012-2015 ministère de l'environnement grâce à concours partenaire yo t'ai fait une série de travail pour améliorer l'état bassin sédimentation ça nous nettoyer là aujourd'hui et pour question facilité écoulement de l'eau dans ravine le la pluie a tombé.
avant nous pas gagne ravine. C'est à cause sur population là maintenant qui vient ba nous ça nous gagne jodi à la ravine. Et pendant quelques années là, quand la pluie tomber là, si au monde dehors ou tout dehors. Et si on dans tout besoin sortir ou pas qu'à sortir. Nous tous nous constater là nous garder des dégâts qui ravine là les causer des blés tout ça. Alors de surpopulation, mon nom mon cap jeter en blé tout ça vient jeune. Mon cap construit tout ça. Jodi à la remettre nous ça. Jodi à n'a félicité et gouvernement et monsieur Konye là normalement cap réorganiser ravine afin que population carale yon souffre. Marché là pied dans l'iravine nous saisit ouais comment des propriétaires construit en dans ravine même mais pour dire c'est peut-être parce que yo pas connaît conséquence yo pas connaît qui ça bail comme problème riverain yo nous t'a qu'a dit si des mon innocent qui peut-être louer caille qui peut-être acheter caille mais qui pas connaît à qui danger yo exposé la vie yo ak toute famille yo. Ministère de l'environnement a continué faire ça qu'on fait. La sensibiliser moun yo, la inviter yo à comprendre nécessité pour ou de l'eau ou pas construire dans ça. Aller pour venir de l'eau a joindre route li et si pour de l'eau fait dégâts pour le faire pour le prendre place li la prendre nous grand pile exemple déjà dans pays ya. Gade qui état des domnan yé gadon pied bois nan mi tan ravine nan ça veut dire autour de pied bois ça té chargé l'autre pied bois qui té plus jeune ça son pied mapou n'a gardé pour moun qui connaît et gen moun qui connaît qui importance mapou gen pour haïtien gade kayou qui nan environnement tout nan ravine nan jodi a la 12 ans après ministère environnement té konn gen possibilité ak partenaire yo construit mis soutènement construit bassin sédimentation jodi a ça qui en haut des domino là yo enterré net après 12 ans d'accumulation de sédiments nous konn ki sa bay ça bay les sédiments a tassé et bien la vinn rend terre imperméable donc l'eau pas infiltré encore. Alors que puis bois était là pour faciliter infiltration et bien tassement ça a fait de l'eau à pas infiltrer. L'eau de l'eau pas infiltrer, il va être tout bail pour faire pour courir. Or là on parti là dans pas infiltrer, tout reste là. Donc ça veut dire il vient un plus gros volume. Là la passer me bagager tout, c'est parti mis ça, il pas sauter. C'est parti caisse ça, il pas fan par en pack. C'est travail sensibilisation ça. Et me content ouais pendant n'a tendé intervention ça a gain l'autre camarade qui a suivre et qui a comprendre qui ça gain là ministère l'état il pas qu'à agir pour col sans contribution population mais population pour contribuer faut gain information faut faire comprendre à qui danger li exposé bon est-ce que nous croyons après visite ça me fin faire là est-ce que nous penser ministère environnement capable garder li pa pral joindre la justice pour dire tant pris venez d'aim déplacer Musa cap protéger boulanger son entreprise privée nous content ça la bay travail moun yo joine pain pour yo manger mais elle aide l'eau passer la tuer moun la tuer sac pi bayo qui sac pi grave joine l'autre côté pour faire boulanger ou bien continuer enregistrer la mort nda men nous répondre question ça nous chaque cap tande m là ministère li pas capable pour contre li mandé propriété ça déplacer mais nous est danger regardez là regardez coton cap construit mais mettre ca ça li pas arrêté là propriété ca ça pas arrêté là c'est nous encore petit peuple là c'est nous petite population c'est nous pral vinn louer ca là
Les droits passés, c'est nous la prend. Aller ouais propriétaire à l'étranger. Aller ouais propriétaire était dans l'autre zone qui gagne moins de problèmes environnementaux. Donc nous pas qu'à incriminer moun yo qui était là. C'est là je nous caille pour louer. Nous pas capable condamner. Moun qui condamnable là, c'est propriétaire. Moun qui prend initiative parce que l'État pas toujours présent, parce que l'État pas toujours moyen politique, il dit bon m'a profiter après na ouais. Mais résultat, il a pas loué en série de petite malgré même gens avec nous Kaila et les droits passer c'est lui la prend. C'est là le problème. Et ça veut dire toute entité ministère de l'environnement doit mobiliser pour sensibiliser moun yo, pour faire éducation pour yo, pour accompagner yo dans planter plus de bois et pour demander la justice là, venir de régler question ça. Question ça, li pa attendre. Nous en mois d'octobre. Nous encore dans plein quelle saison cyclone non nous pas contre ça qui va passer nous pas de ça qui gagne la Floride là avec on bah et un gros pays qui bien aménagé qui bien protégé et nous mêmes donc pour tout temps l'état compte mort je parle à la directeur général et travail ça encore par rapport à constat que nous fait là ça mandé et vous capable on task force qui dégager entre différentes institutions étatiques pour résoudre ça parce que là moi marqué construction là chez là vraiment li énorme là. Définitivement, nous sommes obligés de faire une tax force. Pendant que nous campé là, Jodia, l'équipe qui est avec nous, fait un rapport pour nous monter un dossier pour le ministre de l'Environnement présenter dans le Conseil des ministres pour mobiliser le reste du gouvernement pour aider nous à venir à la population, à venir sensibiliser. Nous ne sommes pas venus à la population. Moi, je dis ça déjà. Les gens qui sont là, c'est là où je ne peux pas louer. Ce n'est pas eux qui mettent les cailloux. Faut nous joindre mettre caillou. Faut qu'il y ait l'autre branche dans l'État qui aide nous faire ça. Ça fait 2 semaines, l'ente là, si m'pa djou gon mi soutènement, si m'pa djou gon bassin qui pou kembe sédiment, avec un bassin qui pou kembe de l'eau, ou patap konen. Donc, faut que travail ça a été fait pour arriver well. Là, nan Cerisier, qui toujours suivent, même continue mon la selle là, l'en a dit mon l'hôpital, toujours songer. Li prend naissance depuis dans la selle, l'ap descend juste à l'arrivée dans la main. Jean ou travail a évolué là. Ministère environnement souhaité capable mettre toute ravine à nu pour retirer matériaux, même dit matériaux mais c'est sédiment toute catégorie. Tout à l'heure dans regarder côte Accra, nous t'a dit que grand phénomène tassement qui vient ba ou un sol qui imperméable qui vient faire que de l'eau pas infiltrer encore. Or, ou besoin pour de l'eau à infiltrer pour continuer à alimenter nappe, ou besoin pour de l'eau à pas descendre avec force pour la faire dégâts plus bas. Pour faire ça, faut libérer route pour de l'eau. C'est dans route de l'eau nous est là pour nous libérer route là, faut nous enlever sédiments. Faut nous refait panier gabion noué qui barre bassin sédimentation et faut une bonne correction dans bassin d'eau la plia parce que ouais on a 2 bassins là on a un bassin sédimentation et on a un bassin qui pour gambe de l'eau et si on regarde plus bas n'a pas qui quantité gravat qui en dans buzio ça dire les buzio c'est gros bout de métou on a les canaux qui fait de l'eau à passer à l'air.
comment pour de l'eau faire aller si buzio bouché. Nous t'a souhaité image là montrer buzio qui bouché et pendant m'a parler voilà là gain monde qui en dedans capoue si a essayé débloquer. Mais pour combien de temps? Pour combien de temps? Ça encore sont l'autre question pour nous répondre. Donc là n'a gardé quatre figures ça, n'a montré population pour qui ça gouvernement mandé nous descendre vinn côté. Nous pas vinn pour nous mavel, si on fait image, on pour observer nous, il a gardé travail là, il est content travail là, mais gon l'autre bagaille nous pas le mandé yo. Faut nous sensibiliser yo pour yo changer comportement. Gardez à terre là, pendant n'a retirer sédiment, il a plagué sa chefatra. Mais c'est pas faute yo. Nous pas de pareil pour ça. Et ça fait longtemps nous pas de bon côté. Qui gens pour nous faire pas continuer sensibiliser yo pour yo changer comportement. Faut nous mettre équipe forestier nous en branle pour venir regarder comment distribuer pied bois pour population plantée dans 5 ans dans 10 ans na gon l'autre on l'autre ravine cerisier. Donc travail ça a continuer. Tant comme dit nous là, là on fait travail à ces distances yo, c'est pour un travail on fait un jour, un mois et pour fini. Chaque fois après la saison la pluie, faut mettre équipe pour en branle pour porter nettoyage qui pour nettoyer, pour bailler de l'eau à route pour le passer pour réduire les dégâts la fait non seulement sous population dans zone là, mais sous population plus bas. Nous n'avons pas fait tout ça de faire pendant cette saison ça parce que les ressources n'ont pas répondu. Là, nous avons déjà levé 9000 mètres cubes sédiments. Ça veut dire 600 camions, chaque camion mesurait 15 mètres cubes. Et nous avons gardé en plein travail là. Là, puis bas, nous avons un bassin. Rétention de l'eau la pluie. Derrière domaine là, nous avons un bassin, rétention sédiment. Tout ça mérite refait. Si nous suivons trace qui sont mis ça là, nous avons qui quantité de tassement, qui quantité de matériaux qui t'a accumulé. Quoi me dit déjà, les matériaux ça ont accumulé, ils ont tassé, ils ont vint rendre terre imperméable, l'eau a pas infiltré. Et l'eau a obligé de courir. Nous pas remarqué côté ni là. Kay qui des domyo, c'est dans ravine nan yo yé. Faut nous rivé manyen question ça yo. Donc le n'a fait travail assainissement, c'est retirer matériaux. Ingénieur ta rele ça déblé. C'est curer permettre l'eau à joindre route li pour le passer. Parce que l'eau a venu quand même, l'a passé quand même, faut la descendre juste dans l'embouchure, ça veut dire juste dans la mer. Par conséquent, si le canal là pas nettoyé, en fonction de s'il n'est pas curé, donc si le canal là pas assaini, eh bien, c'est problème sur toute la ligne. Nous obligés de faire ça chaque période. Kounya là, nous là. Mais là, nous allons arriver dans le mois d'avril. Nous sommes obligés de remettre le code dans l'arrière encore pour nous recommencer à faire le même travail là. Parce que la quantité de travail, le reboisement qui est fait pour y le pour avoir moins d'érosion, donc moins de gravier, qui est dans le monde, descend pour venir dormir dans le bassin sédiment.
pour venir dormir dans un bassin qui vous kembe de l'eau, sans pile travail. Même bagaille, travail, sensibilisation, éducation population, pour changer comportement par rapport à existence, à coexistence, ravine dans côté le venir rester, pas de rester. Son travail longue haleine, tout ça sous deux ministères de l'environnement. Kounya là, nous avons une grosse chance avec gouvernement ça, gouvernement qui est dirigé par Premier ministre Gary Conille, gouvernement qui est en tête du Conseil présidentiel transition, qui mande ministre de l'Environnement venir mettre main dans le travail ça, ça montre dans quel point l'équipe ça a sensibilisé à la question de protéger la population. Protéger la population contre les dégâts de l'eau à café. Protéger la population contre les dégâts microbes, agents pathogènes, bactéries qui là, qui capable de bailler maladie peau, qui capable de bailler la grippe, tout bagaille ça yo a réglé là. Donc pendant le ministère de l'environnement a agi, l'a résoudre un problème santé publique. C'est pour ça faut faire sensibilisation, faut parler à mounyo pour permettre que mounyo comprenne sans travail qu'a fait pour yo porter contribution pa yo. L'OMNA, c'est une des trois ravines qui baille plus problème dans zone. C'est sous l'OMNA ni là. Talia nous t'ap gardé Accra, nous t'ap gardé Cerisier, kounye là nous dans l'OMNA. Et comme te dit Talia tout, c'est à peu près 12 ravines qu'on ça nous gain sous tout parcours. Mais ministère environnement pas qu'on gain moyen assez pour attaquer tout travail là en seul coup. Dégage, 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 dégage.